Bonjour, petite vidéo pour donner mes consignes à mes courageux bêta-testeurs en hélicoptère sur ma prochaine mission. Alors, il faut choisir un hélicoptère sur la FARP Mitla. Donc, moi, je vais choisir celui-ci. Voilà, une fois sur zone, on va passer en vue F10 pour pas avoir le bruit de l'hélicoptère. Il faut ensuite choisir le menu radio, choisir F10, choisir le menu F1 et demander donc le renfort en F4 SID qui vont venir s'occuper de la DCA qui est présente sur la colonne blindée ennemie. Sinon, vous ne pourrez pas approcher de cette colonne. Hein. Bon. Une fois que c'est fait, on revient donc sur le menu radio. Et cette fois, on va choisir dans le menu F10 le menu F2, donc Forward Observer. Dans ce menu radio, vous avez trois sous-menus qui apparaissent, donc la liste des zones avec lesquelles vous pouvez interagir en F1, la liste des zones pour lesquelles vous pouvez demander un tir de barrage, et enfin, en troisième option, la liste des zones dans lesquelles vous pouvez demander un marquage, donc qui sera de couleur orange. Donc ces zones apparaissent sur la carte avec les petits cercles orange, vous voyez ici, ici et ici. Et on va déjà demander la liste donc des zones que l'on peut contrôler en tapant F1. Donc on voit qu'on a quatre zones donc qui sont accessibles. Donc les quatre zones qu'on voit en fait sur la carte. Si je reviens sur mon menu radio, à nouveau sur le menu F10, à nouveau le menu F2, et cette fois je vais demander F3. Donc F3, c'est un marquage en fait automatique de la zone. Et là, on voit que l'on a en fait deux zones qui sont possibles. Donc la zone qui est marquée Heli WU11, c'est celle-ci, et l'autre qui est la zone sortie de la passe de Mitla. Voilà. Alors les autres sont trop loin, vous ne pouvez pas effectuer un marquage orange dans cette zone à plus de 30 km. Donc si vous voulez faire des marquages sur les zones les plus éloignées, il faudra vous rapprocher de ces zones, donc physiquement. Voilà. On va revenir donc sur le menu précédent. Et cette fois, on va demander un tir d'artillerie. Et là, on voit qu'on ne peut pas. Donc, on n'a aucune zone en visu direct. Donc, pour pouvoir demander un tir de barrage sur l'une de ces quelconques quatre zones, il faut être à moins de 3 km et avoir une vue directe sur la zone. Sinon, ça ne fonctionne pas. Voilà. Si je reviens donc sur le menu précédent, encore précédent. Encore précédent. Vous avez un menu F7 troupes aéroportées, donc qui n'est pas fonctionnel pour l'instant. Il ne le sera peut-être pas d'ailleurs du tout. Ce sera à voir. Voilà. Donc si vous pouvez, une fois avoir choisi ce que vous voulez faire, donc marquage automatique, voire marquage physique direct, si votre hélicoptère dispose de moyens de marquage direct, il faudrait se rapprocher de ces zones. Voir si vous pouvez déclencher donc un marquage, voir si vous pouvez déclencher un tir de barrage et me dire si cela fonctionne ou pas. Voilà, moi je peux spawner sur la zone, mais je ne sais pas piloter l'hélicoptère. Donc je suis coincé. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, merci bien pour vos efforts et à bientôt.